La mission principale du comité migration du CCBE est de porter la voix des avocats en matière de migration et asile. Et le cœur de notre action, c'est justement de promouvoir l'accès à la justice des personnes migrantes et réfugiées au sein de l'Union européenne et au sein des pays qui font partie aussi du Conseil de l'Europe. Une de nos actions concrètes et récentes, réalisées par le comité, au conflit en Ukraine, c'est justement nous avons établi une liste d'avocats et des barreaux qui permettent justement d'accéder à un avocat pour avoir une assistance juridique pour toutes ces personnes fuyant le conflit. Nous avons aussi coordonné avec le programme HELP du Conseil de l'Europe. C'est un programme dédié à la formation des professionnels du droit. Et nous avons mis en place une page web pour chaque pays qui a désiré mettre en place le système et qui permet justement d'avoir tous les développements législatifs par rapport à l'application de la direction de protection temporaire au sein de l'Union européenne. Nous avons adopté récemment deux positions qui versent sur le nouveau pacte sur l'asile et la migration. L'une des positions souligne justement l'accès au droit à la justice des personnes migrantes et réfugiées qui arrivent aux frontières de l'Union européenne. It is exactly what it says. It is lawyers present on Lesbos that have a great influx of refugees, and it is a legal aid program. The Greek authorities receiving more refugees than any other European country do not manage to offer due process to these refugees in an immediate and efficient manner. These people are in strong need of access to justice and legal aid to access the system of an asylum application. A refugee is in need of almost all necessities in life. I can just mention healthcare, housing, education. But what we do is to focus only on one issue, and that is legal aid and access to justice. The greatest challenge is to remind the world that there are still refugees in the world besides the big refugee influx coming from Ukraine. There are still refugees arriving in Europe from the African continent, and they need legal aid, they need access to justice.